Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo pronostique de demi-finale de la Coupe du Monde. Ici et ensemble, on va déterminer quelle sera l'affiche, la grande affiche de la finale du Qatar 2022 qui se déroulera dimanche. La première demi-finale, elle est ce soir mardi à 20h entre l'Argentine et la Croatie. La seconde sera demain et elle opposera la France au Maroc qui va s'imposer dans le duel des perdants puisque la Croatie a perdu sa finale en 2018 face au Bleu. Même chose pour l'Argentine mais c'était en 2014 face à l'Allemagne. Les deux pays auront cette fois l'occasion de se hisser à nouveau en finale avec comme objectif de remporter l'étoile. L'autre match est totalement inédit dans son affiche. La France est au long du titre. Ils ont l'occasion de faire un doublé historique 2018-2022. Mais par contre, on a un tout nouveau à cette étape de la compétition, c'est le Maroc. Première équipe africaine à celui-ci en demi-finale d'une Coupe du monde en sortant un parcours incroyable. Un seul but encaissé dans la compétition et encore c'était un contre son camp. La Croatie, la Belgique, le Canada en poule, l'Espagne en huitième, le Portugal en quart de finale. Cette équipe est redoutable et absolument pas à prendre à la légère. Avant toute chose, et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi. Tu peux t'abonner si tu apprécies le contenu football, pronostic Paris sportif. C'est 100% de cette chaîne YouTube. Si tu es vraiment intéressé par le côté Paris sportif, je t'encourage à rejoindre les 59... Membres de mon groupe totalement gratuit sur Telegram. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Je donne des tickets Paris sportifs tous les jours Elianora, sur et il y en aura sur Argentine-Croatie et France-Maroc. Rendez-vous là-bas. Démarrons avec la première demi-finale Argentine-Croatie. Dans mes pronostics des quarts de finale, j'avais mine demi-Argentine-Brésil. Mais les Croates m'ont trompé et se hissent en demi-finale d'une manière méritée. Même si, de la vie générale, elle était moins forte qu'en 2018, elle nous prouve le contraire avec des individualités flamboyantes, que ce soit au but avec Livakovic ou en défense centrale avec l'impressionnant Jusco Guardiola. Est-ce que ce sera suffisant pour tromper des Argentins qui n'ont qu'un seul but en tête Remporter cette Coupe du Monde pour Lionel Messi. Tout un peuple ne vit que pour ça. L'attente est monumentale. Et a priori, ils sont favoris. Si on fait un petit tour rapide du côté du Bookmaker, 1,85 pour l'Argentine, cote à 5 pour les Croates. Même si je ne suis pas d'accord avec ces codes, pour moi c'est beaucoup trop déséquilibré. Le fait est que l'Argentine est favorite de ce match. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Honnêtement, c'est difficile à dire, puisque les Croates sont les professionnels des matchs pièges. Les gens 2018, souvenez-vous, lorsqu'ils étaient arrivés en finale contre les bleus, 8ème, quart, demi. A chaque fois, c'est de la prolongation minimum. Cette édition, c'est la même chose. Japon, un partout, prolongation, tir au but, victoire. Brésil, 0-0, prolongation, un partout, tir au but, victoire. Cette équipe est possédée par la gagne. Ça en fait un adversaire très compliqué pour les Argentins. Et pour moi, ce duel, c'est du 50-50. Les deux équipes ont absolument la même chance de se qualifier. Il n'y a pas de favori. Mais je vais devoir faire un pronostic. On est là dans cette vidéo pour le faire. Donc ce sera du point de vue subjectif. Et à mon sens, l'Argentine, parce que Lionel Messi un avantage. Avoir un Lionel Messi dans son équipe, c'est une aide non négligeable. Il porte sa sélection depuis le début du tournoi. Et si je pouvais faire un petit reproche à cette sélection croate, c'est que, ok, elle a une énorme force collective, mais il manque ce petit génie offensif capable de pimenter le jeu, de créer des actions, des occasions. Et cette personne-là, aujourd'hui, il n'y a toujours pas meilleur que Lionel Messi dans le monde. Donc, victoire de l'Argentine qui rejoindra la finale. Face à qui Cette question est particulièrement difficile à trancher puisque. Si vous me regardez et que vous êtes français, 90% d'entre vous, même si vous n'allez pas vous l'avouer, vous imaginez la France se qualifier et aller en finale, par exemple face aux anglais en quart de finale, c'était bien différent. La probabilité dans la tête des Français que les bleus soient sortis et éliminés était réelle. Pour cette demi face au Maroc, qui est totalement inexpérimenté à ce niveau de la compétition, il faut pas se mentir, il faut, il faut pas se mentir, il faut dire la vérité, la finale est dans nos têtes et c'est un grand danger parce que le Maroc, je vous ai énoncé leur parcours depuis le début de la compétition, ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de rencontre, une demi-finale, rendez-vous compte, une place là va se jouer en finale d'un mondial. L'enjeu est stratosphérique, mais pour autant, cette équipe marocaine, elle est habitée par autre chose, par quelque chose de plus grand Walid Regragui il est arrivé il y a quelques mois dans la sélection en pompier de service. Il l'a dit lui-même. Il a inséré dans cette équipe dans cette nation un esprit mission qui est absolument démentiel. Les joueurs sont à 100% motivés dans le projet collectif. Rendez-vous compte, on est en demi-finale cette équipe n'a pas pris un seul but dans le jeu. Le seul but qu'elle a concédé, c'est un contre son camp et je vous ai énoncé les nations Portugal, Espagne, Croatie, Belgique. Canada, c'est de la folie. Donc grosse, très grosse erreur de sous-estimer les Marocains. Moi, je vais être très honnête avec vous, Walid Regragui, j'en attendais rien. Enfin, je ne le connaissais pas particulièrement avant le début de la compétition, mais pour moi, c'est la révélation de ce mondial. Ce mec a un charisme, une aura très particulière. Il sait exactement où il veut aller. Il n'a zéro, com zéro complexe d'infériorité. Et croyez-moi qu'il va venir défier la France les yeux dans les yeux, c'est une rencontre extrêmement dangereuse pour l'équipe de France. Même si, allez, dans l'inconscient collectif, France-Maroc, c'est du 80-20 pour les Français. Honnêtement, moi, c'est un 60-40 pour l'équipe de France. Je les place quand même favoris parce que cette équipe... Vient d'éliminer l'Angleterre, qui était peut-être l'une des équipes les plus dangereuses de ce mondial, qui sont champions du monde en titre, que Didier Deschamps est vraiment monstrueux sur ce genre de compétition, il faut, faut le dire. Lui aussi, il faut lui rendre hommage. Pour moi, c'est surtout un affrontement entre deux coachs qui sont vraiment fantastiques dans leur manière de, de fédérer un groupe sur une compétition comme ça, mais Deschamps, c'est vraiment le boss. Et Heigragui, en conférence de presse, lui a rendu hommage à ce niveau-là. C'est deux coachs qui sont vraiment animés par la gagne, et uniquement par la gagne en fédérant un groupe. Donc ça va être très intéressant de voir ce genre d'opposition. Pour moi, la France ne va pas se balader dans ce match-là. Ça m'étonnerait que le Maroc explose physiquement. Je les voyais déjà exploser physiquement contre le Portugal. J'avais donné le Portugal qualifié. Pour autant, cette équipe-là, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de fatigue. Écoutez, dans la tête, ils sont animés et ça, ça prend le pas sur les jambes, ça prend le pas sur la fatigue. Alors, pour être totalement transparent, je vais avoir du mal à mettre le Maroc qualifié pour la finale quand même. Je vais mettre les bleus, je vais mettre la France, mais sachez que c'est vraiment avec beaucoup de méfiance et surtout de respect pour cette équipe marocaine. Voici donc pour moi l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2022. Argentine, France. J'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi pour vous quelle sera la finale de cette Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre mon groupe Telegram 100% Paris Sportif. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et nous, on se retrouve très vite pour continuer du contenu autour du football et des pronostics. Belle journée à vous. Ciao, ciao.